Salut mes poissons tequila. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir en insécurité dans votre ville? Eh bien imaginez un endroit où c'est pire et où les rues ne sont pas sûres même en plein jour. Une ville où vous risquez votre vie à tout moment. Vous ne pouvez faire confiance à personne. Attends, exagère pas Chris, il y a quand même la police là. Ah là là, ma petite Tariane, t'es bien innocente. Écoute-moi bien, la police, le géant de ton hôtel, ton chauffeur de taxi, ils peuvent tous te trahir. Que ce soit des vols, des accidents, des enlèvements ou même des du trafic des cartels célèbres. Aujourd'hui, eh bien, je vous emmène découvrir le royaume de la peur et de l'insécurité. Je parie que c'est dans un tout petit bled que personne connaît. Ok Edgar, tu paries combien ? Je sais pas, 50 balles. T'assumes en plus. Eh bien écoute, on va parler de Tijuana, la deuxième ville la plus peuplée du Mexique. Et pour plus d'immersion dans le thème, bah vous pouvez installer World of Tanks. En fait, c'est un jeu PC gratuit tout public de combat de tanks, comme son nom l'indique un peu, hein, en 15 contre 15. Mais là, on parle d'une ville dangereuse, Chris, pas de tanks. Mais bah du coup, figure-toi que bah si, on va parler de chars, mais pas n'importe lesquels. On va parler dans la vidéo après de chars artisanaux fabriqués par des cartels mexicains pour combattre dans la rue. Bon après, ils sont pas au niveau de World of Tanks, je précise quand même, hein, parce que quand même dans le jeu, vous pourrez customiser plus de 600 modèles de chars. Et ils ont vraiment existé d'ailleurs pour la plupart. Et ils ont un design très fidèle à la réalité. Vous avez même 5 classes de chars différentes pour varier les styles de jeu. D'ailleurs, en parlant de varier, il existe 40 maps au total. Bref, du coup, c'est clairement la référence des jeux de chars. Donc vous pourrez rejoindre 210 millions de comptes créés depuis le lancement du jeu. Oh, arrête ton char, Chris. Vous l'avez ? C'est quoi l'entourloupe ? Eh bien, rien du tout. Il y a même des versions pour mobile et console. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description et vous lancer. D'ailleurs, pour ceux qui le feront, bah, ce n'est pas 1000 non plus, mais 250 000 crédits qui vous seront offerts en pack de bienvenue. Et en plus du char Excelsior de niveau 5, il y aura 7 jours de premium, 3 chars premium et 10 utilisations chacun. Bref, maintenant direction Tijuana, la deuxième ville la plus peuplée du Mexique. Et donc, comment en fait une ville aussi grande peut être la plus dangereuse du monde? Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un endroit où la peur est tout le temps là? Et quels sont les pires trucs qui puissent vous arriver là-bas? Eh bien, voyons ça maintenant. Bon, fin 2022, un classement est publié sur les 400 villes les plus dangereuses du monde. Et là, petite surprise, il y a plusieurs villes françaises qui font partie des pires. On peut retrouver par exemple cette ville où ça flirte le crime et puis la délinquance, Nantes. Apparemment, c'est plus risqué d'habiter à Nantes que Kaboul ou Bogota. Attention, grenade ! Attention les jeunes ! Ah bon, évidemment, il y a quand même une petite explication logique derrière. En fait, n'importe qui peut voter sur le site et la plupart des villes ont quand même très peu de votes. Ok, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune méthode scientifique. Oui, oui Edgar. En fait, le français David Berthaud a décidé de prouver que le classement n'est pas fiable. Et il a créé donc plein de bots informatiques qui ont voté en masse pour la ville de Brest. Et en quelques heures, bah, c'est devenu la numéro 1 sur le site. En fait, tout ça pour dire que ce n'est pas forcément simple de définir la ville la plus dangereuse. Parce que entre le taux de criminalité, le taux d'homicide, les écarts aussi sur les chiffres officiels et réels, tout le monde n'est pas d'accord. Mais Tijuana, quand même, c'est celle qui revient dans le plus de classements récents et officiels. Donc pas que ce site un peu, voilà, comme ça. Et vous allez voir qu'elle mérite quand même sa place. Avec presque 2 millions d'habitants, Tijuana est la ville frontalière la plus visitée au monde. Située juste à côté des États-Unis, le taux élevé de violence dans la ville est principalement dû au trafic de drogue et de personnes. En fait, dans cette ville, le taux est de 138 homicides pour 100 000 habitants par an. Là, vous dites, bon, c'est pas si énorme, mais en réalité, c'est quand même 23 fois plus que la moyenne mondiale. Et puis, en même temps, en ce moment, le Mexique, c'est pas très très fun. Hein. Par exemple, chaque année, il y a plus de 33 000 personnes qui sont tuées et environ 10 000 disparus. Et dans les campagnes, les cartels pillent les agriculteurs, ce qui fait grimper les prix de certains produits dans le pays, comme les citrons ou les avocats. Moi, je sais où je vais pas passer mes prochaines vacances. Ouais, écoute, après, c'est un très joli pays, hein. Mais bon, quand même, pour en revenir à Tijuana, la ville est aussi connue pour son extrême pauvreté qui touche quand même plus d'un quart de la population. Et ça, hélas, c'est malheureusement pire en pire chaque année. Bon, voilà, maintenant que vous avez un peu le contexte, on va expliquer pourquoi c'est autant le bordel dans cette ville. En fait, la ville de Tijuana, c'est un vrai symbole des inégalités entre les pays du Nord et du Sud. Et ça, je parle globalement dans le monde, hein, entre les pays du Nord, qu'on dit généralement un peu plus développés que ceux du Sud. En fait, déjà, la ville a le record mondial de passage quotidien à une frontière. Et c'est des gens qui vont des USA au Mexique. Mais surtout l'inverse, donc les Mexicains qui ont envie d'aller aux States. Ah, il y en a encore qui croient au rêve américain ? En une semaine, on trouve du taf. Deuxième semaine, un cours de théâtre. Troisième semaine, un agent. Bah écoute, ouais, hein, parce qu'en fait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui traversent la frontière
frontière tous les jours. Des travailleurs, des touristes, des migrants, enfin voilà. Et cette frontière, c'est vraiment la base du problème, à cause des trafics de... Par exemple, en 1989, le cartel de Tijuana est créé par 7 frères et 4 sœurs. Il s'appelle la famille Arellano-Félix. Et le plus connu là-dedans, c'est Ramón Arellano-Félix. Et eux, en fait, ils se font connaître pour leur brutalité et leur cruauté. Et en peu de temps, ils représentent un quart de la cocaïne importée aux États-Unis. Ils ont déjà tué des centaines de personnes et commencent à corrompre la police. Et le fameux Ramón entre même dans le top 10 des personnes les plus recherchées par le FBI. L'autre problème là-dessus de Tijuana, c'est sa surpopulation. Dans les années 1990, la superficie de la ville augmente de 3,5 hectares par jour. C'est donc quand même à peu près 5 terrains de football. À cette époque, un tiers des habitants ont moins de 15 ans. Et en fait, la ville accueille beaucoup de migrants qui se trouvent bloqués à la frontière avec les USA. Et ils s'installent à l'arrache dans des petits ravins, sur des collines, des zones inondables, sans eau courante, ni électricité, ni même égout. C'est un peu du coup pour eux le Moyen-Âge. Et ils construisent aussi leurs maisons avec des matériaux d'occasion qui viennent des USA. C'est un peu leur poubelle, quoi. Je préférais le mot Moyen-Âge. Voilà. Mais bon, en gros, c'est ça. Ouais, c'est pas faux. Voilà, les brocantes, c'est un peu un vrai business là-bas. Et ce qui fait que, entre le manque d'hygiène, la pauvreté, les habitants se débrouillent comme ils peuvent. Et puis, de l'autre côté de la frontière, ils voient la richesse, celle des États-Unis. Mais ils ne peuvent pas y accéder. Et c'est comme ça qu'ils sont de plus en plus à se mettre à voler, à agresser ou même à rejoindre des cartels. En fait, ils ont tout quitté pour arriver jusqu'ici et donc ils n'ont plus rien à perdre en Madère. Et du coup, comme vous le voyez sur la map, c'est d'autant plus étrange puisque du coup, la ville se trouve à la frontière entre le Mexique et puis les États-Unis. Et donc, là-dedans, la famille Arellano-Félix est finalement stoppée par la police. Mais leur cartel existe toujours. En fait, ils arrivent à se fournir en armes à feu et à tenir tête à la justice. Là-dessus, le taux d'homicide s'est un peu stabilisé vers 2018 à Tijuana. Mais depuis, il est un peu reparti en flèche. Bon. En vrai, aujourd'hui, si on se promène dans les quartiers touristiques de la ville, ça semble calme. Les familles se promènent au bord de l'océan Pacifique, les restaurants du centre sont animés. Mais si on s'éloigne juste d'une rue, on découvre immédiatement des casinos suspects, avec des boîtes de nuit à la chaîne, des fourgons de militaires qui passent à toute allure. En plus du trafic de Tijuana est devenue la ville de tous les vices. Les jeux d'argent sales, les les délits. L'exploitation humaine. Les migrants sont même devenus une attraction touristique. Pourtant, Tijuana est quand même une ville riche qui accueille 40 000 touristes par jour. Sauf que la moitié ne reste pas plus de 3 heures. C'est donc quand même méga court. C'est pas vraiment... Ils s'arrêtent pas pour la ville, quoi. Et en vrai, beaucoup cherchent des opérations chirurgicales pas chères. Et c'est pour ça que la ville compte 5 000 hôpitaux et cliniques. Donc c'est clairement énorme. C'est un vrai paradis du scalpel. Oui, on peut le dire, Ariane. Oui. Et en vrai, à ce niveau, on parle même de tourisme médical. À Tijuana, par exemple, c'est plus de 100 millions de dollars qui sont dépensés rien qu'en médoc chaque année. Et après, le reste des touristes, c'est surtout des jeunes qui viennent faire la fête. Enfin, après, pas uniquement. Il y a aussi des gens qui viennent faire bien pire du tourisme. Et encore pire, depuis quelques années, l'exploitation de mineurs explose. Là, les étrangers viennent parce qu'ils n'ont presque aucun risque d'être arrêtés. On peut dire que, en vrai, la justice de Tijuana est un peu débordée. Et ces dernières années, la ville compte aussi plus de 2500 mètres par an. Donc c'est clairement un record. Et récemment, un événement spécial fait parler de Tijuana et des cartels. En fait, depuis quelques semaines, c'est le procès de Genaro García Luna, qui est l'ancien chef du FBI mexicain. Bon, à la base au Mexique, ce gars était la star de la lutte contre la drogue. Il se mettait en scène dans des reportages, à la télé, bref, c'était un peu le super-héros, vous voyez, c'était lui qui luttait contre ce genre de délinquance et de dérive. Sauf que ce serait principalement grâce à lui que le célèbre El Chapo a importé des tonnes et des tonnes de drogue aux États-Unis. Et je précise, El Chapo, c'est l'un des chefs de cartel les plus célèbres. En fait, d'après les témoignages, García Luna aurait reçu des valises remplies entièrement de dollars. En fait, cette ville, c'est une série Netflix tous les jours. Ah, attends, c'est pas fini. En fait, ce gars dont on parle, le chef du FBI, il vendait secrètement les postes de responsable pour 50 000 dollars. Il aurait détourné à peu près 200 millions d'argent public. Fouh, c'est un business. Bref, en gros, c'est un procès historique et les Mexicains sont habitués à ce que les politiques corrompus s'en sortent toujours. Mais là, ça va changer. Et à propos d'El Chapo, on parle aussi de lui depuis quelques semaines parce qu'il demande un nouveau procès. Donc la preuve, c'est que tout ça est quand même très récent et bien réel. Et maintenant, on va voir les pires trucs qui peuvent vous arriver si vous allez à Tijuana. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est bien elle, la ville la plus dangereuse au monde. Et là, on commence rapidement avec l'un des moins pires, déjà l'hygiène, parce qu'il faut savoir que l'eau du robinet et la nourriture ne sont pas toujours fiables. Il y a aussi des tremblements de terre, parce qu'il se trouve que cette ville est sur une limite de plaque tectonique. Mais il y a aussi des accidents. En fait, personne sur place ne respecte trop le code de la route. Et au niveau des taxis, au mieux, vous payez pas trop cher. Au pire, on vous emmène là où tout peut arriver. J'imagine que
que tu parles de vol, de Potentiellement. En fait, si tu veux dormir à Tijuana, eh bien renseigne-toi bien. Parce que dans beaucoup d'hôtels, les employés volent dans les chambres. Et certains peuvent même vider les coffres-forts. Bien sûr, les pickpockets sont partout, autour des distributeurs d'argent, dans la rue. Même les p***s font semblant de vous séduire pour vous voler. On peut aussi tomber sur des voleurs plus dangereux. Les agressions, les vols à main armée arrivent même en plein jour. Et attention à la nuit. En fait, c'est là où la majorité des crimes violents se produisent. On va te dire, bon, bah, c'est un peu normal, la nuit, tout est permis. Partons dans un monde incroyable, celui de vendredi tout est permis. Ah non, ça n'est pas, ça n'a rien à voir. Bon, en vrai, la nuit, le mieux, c'est de pas sortir. Imaginez passer dans une rue un peu moins bien éclairée et hop, tout peut vous arriver. En fait, régulièrement, les bars ou les restaurants sont braqués. Vous mangez tranquillement une spécialité locale et des types armés jusqu'aux dents débarquent. Là, si vous avez pas de chance, ils repartent aussi avec les portefeuilles et les téléphones des clients, en plus de la caisse. Ah ouais, ça fait cher la tortilla ou l'enchilada. Ouais, mais au moins, tu restes en vie. Ce qui est quand même pas si mal, quoi, finalement, dans ton malheur. Donc, tout peut arriver n'importe quand. Et j'ai même pas parlé de là-dedans. En fait, de temps en temps, il y a un touriste ou un migrant qui disparaît. Et la famille, bah, doit payer la rançon et on le libère. Sinon, bah, techniquement, on le zigouille, quoi. En fait, pour vous dire, en 10 ans, le business des enlèvements de migrants a généré environ 800 millions de dollars. Et là, ne comptez même pas sur la police pour vous aider. C'est plutôt l'inverse, hein. Puisque beaucoup de touristes témoignent qu'ils ont été arrêtés sans raison. Là, un policier leur a dit qu'ils ont commis un délit et les oblige à payer une amende. Bon, après, heureusement, tous les policiers ne sont pas non plus comme ça, quoi. Mais bon, en vrai, pour vivre à Tijuana, vaut mieux faire quand même très attention. Ne pas porter d'objets de valeur sur soi, des bijoux, des trucs comme ça. Donc, des vêtements discrets. Et surtout, ne pas être bourré, parce que c'est clairement eux qui sont le plus ciblé. Bon, ok, vous avez survécu jusqu'ici, c'est pas mal. Après, évidemment, j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin, parce que le danger principal à Tijuana, c'est quand même les cartels. Et aujourd'hui, les deux cartels les plus puissants du Mexique se battent pour dominer la ville. Alors d'un côté, on a le cartel de Jalisco, nouvelle génération, il s'appelle comme ça, on croirait un groupe de pop, dirigé par un certain El Mancho. Et de l'autre côté, on a le cartel de Sinaloa, qui était dirigé par El Chapo, dont on avait déjà parlé. Là, son remplaçant, il s'appelle El Mayo. Alors je sais pas pourquoi, ils se mettent tous avec El devant. Mojito, que se pasó? Hol del paso? Non, non, José. Et lui, là, le nouveau El Mayo, il n'a jamais mis les pieds en prison. Pourtant, il est recherché depuis presque 40 ans. Et il y a quelques semaines, les USA ont d'ailleurs augmenté sa prime à 15 millions de dollars à celui qu'il capture. Bougez pas, je vais vous le trouver, moi, ce Mayo. Yes, Edgar, super. Tu leur fais vraiment, vraiment peur, là, hein, tu sais. Mais bon, à coup de bon courage, parce que tu vas devoir affronter les pires dangers de Tijuana, les guerres de territoire. Parce que en ce moment, des fusillades éclatent de n'importe où dans la ville. Toutes les semaines, on découvre des scènes de massacres, des cadavres décapités, criblés de balles, souvent de très jeunes personnes. Ils sont de plus en plus nombreux à penser que mieux vaut mourir jeune et riche que vieux et pauvre. Au final, ils meurent jeunes et pauvres. En fait, faut se dire que les cartels sont très organisés. Ils ont les modèles d'armes les plus récents et ils utilisent des drones. J'ai envie de dire, à un moment même, la police, ils ont peur, quoi. Je regarde si on va pas nous balancer les choses sur la tête. Et surtout, le plus fou, c'est qu'ils ont des véhicules blindés faits maison. C'est du DIY, quoi, ouais, c'est ça. Alors ça, on doit pas en trouver dans beaucoup de régions du monde. Bon, en fait, généralement, ils utilisent des 4x4 qu'ils recouvrent de plaques de métal soudées. Et au-dessus, ils fabriquent une petite tourelle capable de tirer à 360 degrés. Et ces engins peuvent transporter jusqu'à 20 personnes et même résister à des explosifs. D'ailleurs, c'est peut-être le moment parfait pour vous lancer une petite partie de World of Tanks, histoire de bien vous mettre dans l'ambiance de Tijuana. Mais les cartels ont une arme peut-être encore plus puissante, la corruption. Là-dessus, bon, ils emploient deux méthodes, soit l'argent, soit la peur, quand ils ne peuvent pas acheter les gens. Par exemple, en 2021, le nouveau chef de la police a reçu une menace de mort, avec, en petit cadeau, une tête en décomposition dans un sac plastique. Voilà, ça met un peu l'ambiance. J'imagine que quand bien même il est le chef, ça peut faire réfléchir. Mais en vrai, souvent dans cette ville, bah, l'argent suffit, hein. Je veux dire, y a pas besoin d'apporter une tête en décomposition, quoi. C'est un peu too much. Non, tu me balances un petit sac de 100 000 balles et puis on revoit, quoi. En fait, c'est con, mais comme les policiers de base ne sont pas très bien payés, bah ils peuvent bien plus facilement accepter des pots de vin pour fermer les yeux sur des crimes ou sur du trafic. Mais le pire là-dedans, c'est que les policiers qui essayent de rester intègres et donc de résister sont mis à l'écart par leurs supérieurs. Et des journalistes qui dénoncent la corruption finissent tous quasiment à différents degrés assassinés. Bref, en vrai, habiter à Tijuana peut être rapidement un enfer. Et là-bas, la vie, hélas, ne vaut pas très cher. Voilà, j'espère que maintenant vous avez une notion un peu différente de la sécurité. Après, évidemment, le Mexique est un très beau pays, c'est quand même là qu'est apparu quand même pas mal de civilisations précolombiennes. Et je vous ai parlé juste de la pire ville. Après, j'aurais pu parler de Mexico, qui est pas mal aussi, quoi, hein, vrai. Donc, tous ceux qui nous regardent du Mexique, des bisous. Si vous avez des anecdotes sur d'autres villes, n'hésitez pas. Et si vous aimez les histoires un peu flippantes, sachez que l'une de mes dernières vidéos sur ma chaîne Compte Fécond, eh bien, c'était sur les pires voisins sur lesquels vous pouviez tomber. Voilà, et eh bien moi, je vous dis tout simplement, à la prochaine.
Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas d'installer gratuitement le jeu World of Tanks, hein, si ça vous dit. Vous avez un lien en description et vous aurez même le pack de bienvenue pour bien démarrer dans le jeu. Voilà, voilà.